Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans cette vidéo, je vais vous rapporter une conversation que j'ai eue avec une amie, entrepreneur que j'aime énormément, avec qui j'ai passé l'après-midi. On a eu une discussion autour des clientes et notamment des clientes qui sont totalement engagées avec nous, puis qui du jour au lendemain, en fait, disparaissent de notre horizon. On a parlé aussi des clientes qui ont adoré nos produits, nos services, ont vraiment travaillé avec nous pendant longtemps, et puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, elles disparaissent, voire en fait, elles soutiennent pas en fait notre activité qui leur a pourtant permis de faire une grande évolution dans leur vie et dans leur business. Donc, j'ouvre cette discussion avec beaucoup de vulnérabilité, avec beaucoup aussi de confiance en vous. Et avec l'intention que si vous démarrez et que un jour vous vous retrouvez dans cette situation, parce que ça va arriver, ça arrivera très probablement, vous ayez déjà ce point de vue de quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps et qui a eu beaucoup de clientes. Et puis voilà, de ce point de vue que moi j'aurais aimé qu'on m'explique la première fois que ça m'est arrivé, la première fois qu'on m'a demandé un remboursement, la première fois qu'une cliente a quitté le coaching sans prévenir. Comme ça, parce que je sais pas, d'un coup, voilà, ça fonctionnait plus, ça matchait plus, il y avait un problème au niveau probablement de l'énergie, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont entrepreneurs à leur début ou des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux vraiment vous transmettre au travers de cette vidéo, c'est que vous allez attirer à vous des clientes et que c'est vachement, 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 vachement important de toujours donner du contenu par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez incarné. Alors, il y a deux types de... Alors, cette vidéo s'adresse à deux types de personnes, okay? On ne va pas confondre, s'il vous plaît, les coachs et les mentors. C'est deux choses qui sont différentes, mais comme très souvent, en fait, qu'on soit coach ou mentor, on fait des infoproduits, on transmet des choses qu'on a apprises, c'est important d'incarner ce qu'on transmet. C'est important d'incarner ce qu'on transmet à nos clientes, qu'on soit coach ou qu'on soit des mentors ou voilà, dans le développement personnel. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous parlez de quelque chose que vous avez vécu, quand votre expérience est collée à votre connaissance, vous avez une puissance qui est d'autant plus grande. Et du coup, plus votre puissance, elle est grande et plus votre force d'attraction est grande aussi. Plus vous êtes magnétique par rapport à ce thème-là, à ce sujet-là. Et du coup, plus vous pouvez aider les personnes qui traversent ça. Et y a une personne, en fait, qui donnait comment dire? Cet exemple d'une personne qui avait perdu, je sais plus, 60 kilos et qui voulait du coup accompagner les personnes à perdre beaucoup de poids. Parce que là, quand on perd 60 kilos, on est d'accord qu'on n'est pas dans du surpoids, on est vraiment dans de l'obésité. Et du coup, cette personne qui avait perdu elle-même 60 kilos était plus à même d'accompagner quelqu'un qui devait perdre 50, 60, 70 kilos, etc. Parce que c'est un long parcours et que du coup, elle comprenait, il n'y a pas les mêmes enjeux quand on doit perdre 60 kilos, quand on doit perdre 5 kilos. Et du coup, même si on a les connaissances, on a les compétences et que en tant que coach, donc spéciale dédicace au coach, en tant que coach, vous n'êtes pas obligé d'avoir les résultats de la personne que vous voulez accompagner à condition que vous restiez bien dans votre posture de coach. Et c'est quoi la posture du coach? La posture du coach, c'est de poser des questions qui permettent à la personne que vous avez en face de se confronter à un miroir et peut-être d'aller plus en profondeur par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ça m'arrivait d'accompagner des entrepreneurs qui gagnaient bien plus d'argent que moi. Et c'est OK. Premièrement, parce que je ne les accompagnais pas sur une thématique d'argent, parce qu'ils avaient probablement plus à apprendre que moi. Donc, c'est... Mais la thématique sur laquelle je les accompagnais, c'était une thématique que je maîtrisais et dans laquelle j'étais dans ma posture de coach. C'est-à-dire que mon job, c'était pas de montrer à quel point j'avais réussi ou à quel point est-ce que je pouvais accompagner cette personne dans ce chemin-là. Mais ma puissance, elle était dans le fait que j'étais dans ma posture de coach et que du coup, je rendais sa puissance à l'autre. Je permettais à la personne que j'accompagnais d'être dans sa propre puissance et d'avoir ses propres réponses. Et ça, c'est le travail d'un coach. Le travail d'un mentor, c'est de vous dire, OK, j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois, j'ai réussi comme ça, comme ça, comme ça. Si tu veux, je t'accompagne à faire tes premiers 10 000 euros par mois. Mais si vous dites, par exemple, j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois et que vous n'avez pas fait vos premiers 10 000 euros par mois, mais que vous pensez en fait que la promesse des 10 000 euros par mois, elle est plus alléchante que la promesse des premiers 1 000 euros par mois, à ce moment-là, vous créez un gap entre ce que vous vivez réellement et ce que vous promettez. Et ce gap-là, en fait, les gens le ressentent.
plus vous êtes dans un métier de la relation, donc par exemple le métier de coach, c'est un art de la relation, de la transformation. C'est un métier de la relation. Sans relation, il n'y a pas de coaching. D'accord ? Donc, dans cette relation-là, vous devez pouvoir entrer dans votre pleine authenticité et dans votre pleine puissance et aussi dans votre pleine vulnérabilité, même si votre vulnérabilité, elle vous appartient. Et vous devez rester dans votre posture. Et c'est le fait de tenir votre posture et de tenir le cadre dans lequel vous accueillez une personne qui a des résultats qui sont différents des vôtres qui va procurer les résultats à l'autre. Mais, une précision sur les résultats. En tant que coach, on n'a pas une obligation de résultat avec nos coachés, bien que, en tant que coach aussi, qui visant l'excellence, on se dit qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'autre. On va changer d'outil, changer de manière de parler, changer d'angle, prendre les choses d'un côté, prendre les choses de l'autre, raisonner d'un côté, raisonner de l'autre, tourner le truc dans tous les sens jusqu'à ce que notre coaché en face, il puisse avoir une prise de conscience parce que c'est la prise de conscience qui crée le changement. Mais on n'est pas responsable des actions que notre coaché va mettre en place dans sa vie. J'aurais beau dire à mes coachés de faire tel exercice ou de mettre en place telle chose ou même de leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place et de les accompagner pour qu'ils mettent en place, s'ils font pas le travail derrière, si eux-mêmes ils s'engagent pas vis-à-vis d'eux-mêmes, je suis pas magicienne. J'ai pas de baguette magique qui fait qu'ils viennent me voir, du coup ils ont les résultats. Ce qui font que mes clients ont leurs résultats, c'est parce que ce sont des personnes qui sont ancrées, enracinées dans leur puissance, qui savent que je peux les aider et qui du coup viennent me voir pour être en contact avec cette puissance-là, pour enlever les interférences qui les empêchent d'être au contact avec leur puissance. Ça, ok. Mais ils sont dans leur puissance. Ils sont engagés et c'est parce qu'ils sont engagés que ça fonctionne. Du coup, revenons au sujet de nos clients qui vont nous demander des remboursements ou de nos clients qui vont pas s'engager avec nous ou des personnes qui ont travaillé avec nous pendant très longtemps, qui ont été fans et qui du jour au lendemain disparaissent sans raison, sans qu'on comprenne ce qui se passe dans leur tête. Ces personnes-là, il y a plusieurs choses à comprendre. Premièrement, vous avez potentiellement pas attiré les bonnes personnes. Potentiellement, le message que vous aviez, vous avez parlé depuis un endroit de peur. Vous êtes dit « Ah, j'aurais peut-être pas assez de clients » et du coup, j'ai peur. Et du coup, vous attirez à vous des gens qui ont peur, des gens qui sont pas dans leur puissance au moment où ils achètent avec vous. Ça, c'est possible. C'est pas grave. Ça vous demande juste de, justement, faire vos actions depuis un endroit de puissance. Ça veut pas dire que quand on a peur, on ne fait rien. Ça veut dire que quand on a peur, on accueille la peur. On comprend le message de la peur. On rassure la peur. Et puis ensuite, on agit. Mais on agit depuis un endroit dans notre puissance. On coupe avec l'interférence de la peur pour pouvoir se connecter à notre propre puissance. Donc la première problématique peut venir du fait que vous avez attiré dans votre univers les mauvaises personnes. Ça arrive. Si par exemple vous faites une collaboration, quand vous faites une collaboration, il y a forcément votre énergie et l'énergie de la personne. Et du coup, si les personnes arrivent par l'énergie de la personne et qu'elles ne sont pas calibrées à votre énergie, ça ne maturera pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon professionnel ou que vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites. Je suis persuadée que vous l'êtes. En revanche, ça veut dire juste que la personne n'est pas calibrée sur la même énergie que vous. Et ça, ça peut poser problème. Autre chose maintenant, donc ou vous n'attirez pas les bonnes personnes ou vous ne vous adressez pas aussi aux bonnes personnes. Si vous pensez constamment que les gens, ils n'ont pas l'argent pour acheter vos offres, si vous pensez constamment que vous êtes trop cher, si vous pensez constamment que j'en sais rien. Je vous donne l'exemple de trop cher parce que quand j'ai démarré dans le coaching, premièrement, moi, je pensais que mes tarifs étaient chers. Donc, c'était 60€ de l'heure à l'époque, je m'en souviens. Mon Dieu, quel sacrifice. Mais bon, bref, j'ai démarré comme ça. J'ai démarré avec 60€ de l'heure et je ne vendais pas des coachings en pack, en fait. Je ne vendais pas sur un accompagnement. Je vendais à la séance. Et je me rappelle que les gens de mon entourage me disaient « Oh, mais c'est cher, 60€ de l'heure, c'est cher. Les médecins prennent 20 ou 25€ de l'heure. Toi, tu prends 60€, c'est cher. » Ce que les gens disent à propos de vos tarifs, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec la valeur que vous emmenez. Ça a à voir avec la perception qu'ils ont de ce que vous faites. Vous avez deux possibilités pour ça. Soit c'est que vous communiquez mal sur la transformation que vous permettez aux gens, soit ça veut dire que les gens ils voient pas la valeur de ce que vous faites, peut-être parce qu'ils n'en ont pas besoin ou peut-être parce qu'ils sont pas prêts à voir la valeur que ça aurait dans leur vie. Mais ça leur appartient, ça n'a rien à voir avec vous. Par contre, si vous vous engagez sur un tarif, moi je me suis engagée sur 60€ de l'heure quand j'ai démarré parce que ma psychologue référente, qui était ma première formatrice en coaching, tout le monde en fait travaillait à 60€ de l'heure et du coup je m'étais alignée sur les tarifs. Et elle m'avait demandé de m'aligner en m'expliquant aussi qu'en dessous de 60€ de l'heure, en fait je ne pourrais pas vivre de mon activité. Donc voilà, j'étais partie en m'engageant sur ce tarif-là. Donc j'ai dû travailler mes croyances pour vendre du coaching à 60€ de l'heure. Mais les gens dans mon entourage avaient ce,
ce, comment dire, c'est ce jugement-là. Et d'ailleurs, si jamais les gens de votre entourage y comparent votre métier au métier de médecin, par exemple, rappelez-leur que le médecin, il est sur les besoins physiologiques, il est sur la survie, il est sur la base de la base. Alors que quand on fait appel à un coach, on fait appel à un coach pour se réaliser, pour s'accomplir, pour s'épanouir. On n'est pas du tout dans un besoin de quelque chose, on est dans un désir. Hello Eva! On est dans un désir, en fait, de réussite. Coucou Aurélie! On est dans un désir de réussite. Et ce désir de réussite, ce besoin d'accomplissement, il est au sommet de la pyramide. C'est pas quelque chose qui est vital. C'est le désir d'être dans sa propre expansion, d'être dans son soi exponentiel. Donc du coup, c'est normal que le médecin soit remboursé par la sécu et qu'il coûte 20 € la séance et que vous, parce que vous proposez une transformation qui permet aux gens, par exemple, de passer d'un statut salarié à entrepreneur, de passer d'un entrepreneur qui génère 1 000 € par mois à un entrepreneur qui génère 10 000 € par mois, cette transformation-là, bien sûr qu'elle a une valeur. Et cette valeur, c'est vous qui la définissez, c'est personne d'autre que vous. Jamais. Donc, si les gens autour de vous disent que ce que vous faites, c'est trop cher, c'est parce qu'ils n'ont pas la valeur, en fait, de ce que vous proposez. Et vous, l'idée, en fait, c'est pas de les juger ou de s'énerver, c'est juste de comprendre qu'ils comprennent pas la valeur de ce que vous proposez et de pas prendre leurs pensées comme étant les vôtres et de vous remettre en question sur vos tarifs parce que les autres comprennent pas. C'est à vous d'assumer vos tarifs. Donc, je vous disais, quand les clients, comme ça, quittent notre univers, c'est soit parce qu'on n'a pas attiré les bonnes personnes au départ, parce qu'on n'était pas dans sa puissance, soit parce que les gens ils reconnaissent pas la valeur de ce qu'on apporte. Et ça, c'est à vous de voir, est-ce que les gens comprennent vraiment la valeur que vous allez apporter, quel est le résultat, quelle est la transformation que vous permettez, c'est très important. Et ensuite, troisième chose, et ça, c'est central, donc c'est important que je vous le transmette, c'est que le jour où vous accompagnez des gens qui sont fans de votre travail, ils travaillent avec vous depuis des mois, depuis des années, etc. Et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il y a une rupture et ces gens disparaissent. Quand ça, ça arrive, c'est pas grave. C'est normal et c'est pas grave. Et il ne faut pas vous remettre en question par rapport à ça. Vous pouvez vous remettre en question si, par exemple, vous avez, je sais pas, 3 personnes qui demandent le remboursement du même truc. Probablement qu'il y a un gap entre votre page de vente, en fait, ce que vous proposez et ce que les gens ils ont en termes de résultats. Mais quand bien même, en fait, il y aurait des demandes de remboursement, sachez que moi, ça m'est arrivé qu'on me demande du remboursement. Le même jour, je reçois un message d'une personne qui me dit « Oh mon Dieu, Sandrine, tu as transformé ma vie, c'était extraordinaire, ça a totalement transformé ma perception du monde, je me suis totalement réalisée, réalignée par rapport à ce truc-là. » Le même jour, je recevais un message d'une personne qui me disait que c'était n'importe quoi et qu'elle demandait un remboursement. Est-ce que ça vient de mon produit ? Ou est-ce que ça vient de la perception de l'autre? Ben, je vous le dis, ça vient de la perception de l'autre. Ça vient pas de mon produit. Mon produit, c'est le même. C'est le même, avec les mêmes vidéos, avec la même transformation, avec la même page de vente. Tout est pareil. C'est juste, est-ce que les gens, ils ont acheté avec vous par peur? Ou est-ce qu'ils ont acheté avec vous depuis leur puissance? Et ça, c'est à vous à éduquer votre communauté. Et s'il y a des gens qui sont pas dans leur puissance quand ils achètent, qui achètent avec la peur, ben, vous pouvez aussi leur apprendre à transformer cette peur pour vraiment être dans leur puissance personnelle et de comprendre que vous n'êtes pas un sauveur, que vous n'êtes pas une bonne fée marraine avec une baguette magique, mais que vous êtes une personne qui peut leur apporter la transformation qu'elles désirent et pour se réaliser pleinement. Mais pour ça, ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'elles. Ça dépend d'à quel point elles croient en vous, elles croient en votre accompagnement, ça dépend de à quel point elles croient en elles-mêmes et ça dépend à quel point elles s'engagent dans ce que vous proposez. Vous pouvez proposer le meilleur des services. Si la personne, une fois qu'elle a acheté avec vous, elle ne se présente pas au rendez-vous de coaching, elle annule systématiquement ou elle reporte ou au dernier moment, elle se dit « Ah bon, finalement, ce n'est pas pour moi, j'arrête. » Ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec la personne. Dernier point, ce qui peut se passer également, c'est que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes constamment aussi en train de vous réaligner par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre essence, par rapport à ce que vous devez faire dans ce monde. Plus on avance, plus on est conscient, plus on est dans notre puissance aussi. Et plus on fait ça, plus il y a des gens qu'on va déranger. Donc ça se peut que vous soyez à un moment donné en harmonie, comme s'il y avait une calibration énergétique qui se faisait, donc vous attirez des clients à ce niveau-là, mais vous, vous faites un saut quantique parce que vous avez compris des trucs, parce que vous avez mis en place des choses, etc., etc. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Et bien, ces personnes-là, elles ne vibrent plus sur votre fréquence. Donc, ou ce sont des personnes qui sont fidèles et qui vont continuer à avancer avec vous pour arriver à cet endroit-là, ou ce sont des personnes, en fait, qui vont plus se reconnaître dans votre vibration et qui vont partir. Peut-être parce qu'elles ne sont pas destinées à faire ce chemin-là, peut-être parce que ce n'est pas le moment pour elles, peut-être qu'elles vous retrouveront dans 10 ans. Moi, ça m'est arrivé
de suivre quelqu'un, d'adorer ce que fait cette personne, puis de plus le suivre, plus la suivre, c'était une femme, plus la suivre pendant 5, 6, 7, 7 ans, je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle plus. Et à un moment donné, ben, je l'ai recherchée, je l'ai resuivie. Et j'ai re-acheté avec elle. Mais parce que pendant un temps, elle abordait des thématiques où elle parlait de sujets qui ne me concernaient pas, dont je me sentais extrêmement loin. Donc ça ne résonnait pas avec qui j'étais, donc c'est OK. C'est normal que si vous avancez, si vous transformez votre façon de vous présenter, votre façon d'être en relation avec vous-même, d'être en relation avec les autres, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient plus sur la calibration énergétique. Donc si ça vous arrive, s'il vous plaît, commencez pas à douter de qui vous êtes, de vos offres, de vos services. C'est important, tant que vous croyez en vous-même, en votre offre et en vos clients, dans leur capacité à se transformer, c'est OK. Vous pouvez avoir des demandes de remboursement, ça ne vous concerne pas, ça concerne l'autre. Il y a des gens qui me demandent par exemple un remboursement parce qu'ils se sentent plus motivés, mais c'est normal qu'ils se sentent plus motivés. Si par exemple on fait des séances ensemble, okay, dans un coaching de groupe ou autre, on est ensemble pendant un temps. Donc du coup, les gens, ils sont connectés à moi. Ça veut dire qu'ils se calibrent sur mon énergie. Ça veut dire que quand ils sont en live avec moi, ben du coup, ils reçoivent cette énergie et ça leur donne plein d'idées et ils ont plein de créativité, ils ont envie de mettre plein de choses en place. Et puis pendant X temps, on se voit plus parce que je suis en vacances, parce qu'ils partent en vacances, parce qu'il y a des choses qui se passent. Et puis du coup, ils décrochent et ils me disent « Oui, ben, je suis plus motivée parce que ça a duré trop longtemps. » Non, t'es plus motivée parce que t'étais pas dans une motivation qui était intrinsèque, t'étais dans une motivation qui était extrinsèque. T'étais motivée parce que t'étais calibrée à mon énergie. Donc ce qu'il faut que tu travailles là, c'est le fait de te calibrer à ta propre énergie. Tu peux te calibrer sur mon énergie. Bienvenue, c'est à ça que sert aussi le coaching. C'est que vous créez un espace énergétique dans lequel la personne, elle peut venir se calibrer sur votre énergie. Quand la personne, elle n'a pas fait son travail de développement personnel et qu'elle est pleine d'interférences et c'est sans jugement, eh ben, du coup, forcément, quand elle est avec vous, ça vibre. Quand elle n'est plus avec vous, ça ne vibre plus. Mais ça n'a rien à voir avec vous, puisque c'est quand elle n'est plus avec vous que ça ne vibre plus. Donc en fait, si elle revenait se calibrer à votre énergie, elle retrouverait cette motivation, cette énergie, ce truc-là. Mais ça ne serait pas pérenne pour elle. Elle a besoin d'apporter de la pérennité parce qu'elle a besoin d'enlever les interférences et de connecter à sa propre puissance personnelle. Voilà, c'était le message. Donc, si ça vous arrive, c'est pas grave. Bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Ça vous est déjà arrivé d'acheter un produit, il ne vous convenait pas, vous l'avez renvoyé, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame, ce n'est pas à propos de vous. Les gens, ils projettent sur vous des choses qui leur appartiennent. Et ils s'auto-sabotent. Il y a des personnes à qui j'ai déroulé le tapis rouge. Franchement, je vous le dis honnêtement, je leur ai déroulé le tapis rouge. Je leur ai donné de ouf. Et puis, elles disparaissent du jour au lendemain. Mais ce n'est pas à propos de moi. Là, elles sont en train de s'auto-saboter. Parce que j'étais en train de leur donner la possibilité de passer au niveau supérieur. Elles n'ont pas saisi cette opportunité-là. Elles iront la saisir avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour elles. C'est peut-être qu'elles n'étaient pas la bonne personne pour moi. Dans la vie, tout est juste. Donc, quand il arrive un truc qui peut être désagréable, ce n'est pas grave. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est pour vous aider à vous recentrer, à vous réancrer, à vous asseoir dans votre propre puissance personnelle, à incarner ce que vous êtes de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Et quand vous faites ça, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne résonnent plus avec vous, qui partent. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vos compétences. Ça n'a rien à voir avec vos connaissances. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous, votre job, en tant que coach, en tant que mentor, en tant qu'accompagnant, c'est d'être un meilleur humain pour vous-même et pour les autres. Et sur ce chemin, vous avancez. Et plus vous avancez, plus vous enlevez des interférences, plus vous vous connectez à votre essence profonde, et plus vous êtes dans votre puissance, plus vous êtes magnétique. Et plus forcément, ce magnétisme, c'est comme un aimant. Un aimant, il a une force d'attraction, mais il a aussi une force de répulsion. Et donc, vous allez attirer à vous et repousser des gens. Et ça, c'est génial. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est super de ne pas plaire à tout le monde. Parce que je vous assure, il y a des gens dans ce monde à qui vous n'avez pas envie de ressembler. Il y a des gens dans ce monde que vous n'avez pas envie d'attirer dans votre univers. Donc, soyez reconnaissant quand ben, vous attirez des gens, mais aussi quand vous repoussez des gens. C'est que vous êtes en train de clarifier votre vibration. Je vous embrasse, on se parle demain. Ciao, je vous aime.